Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure de Resident Evil 4 Remake, chapitre 2. Oh yeah! Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hey, arrête ça! Hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hey, arrête, ok? Tu bouges? Je bouge. J'ai déjà assez morflé comme ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Avec toi, c'est pas une vie. Hey, où est-ce que tu vas? A plus, amigo. Merde, mon équipement. Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Chapitre 2. Des affaires que je pouvais pas trouver. Ah, il était là. Thank you.
Comment ça qu'il a pas poignardé? Mais c'est à moi ça. Vous pouvez une attaque en appuyant sur... Ça s'ouvre pas. Je récupère tout ça. Et j'ai la misère et ma gorge. Par ici, étranger. C'est qui? Débarrassez-vous des rats qui ont élu domicile dans l'usine. Nous ne savons pas qui sont porteurs de maladies, mais mieux vaut prévenir. Thank you.
sais pas où ça donne, voilà. Comment avancent les requêtes? Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels? Tu reçois en récompense quand des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement. Parmi tous les objets utilisés, nous avons. Je te conseille surtout de prendre carte au trésor. Ces cartes indiquent les emplacements des trésors cachés de la sec. Il nous a fallu un paquet de temps pour réunir toutes les informations avec des cartes en poche. Toi, délibéré financièrement, ce bémol, tu devras t'aventurer dans une zone dangereuse pour mettre la main sur ces trésors, mais rien. Insurmontable pour toi. Je me trompe. Vous pouvez acheter des vents des armes. Est-ce que vous complétez une requête? Allez par là, marchand, vous tenez votre récompense. Bravo, étranger. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Puis-je t'être utile? 4000 pour réparer un couteau. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Il vaut mieux pas que tu le saches. T'as un faible pour les trésors, hein? Reviens quand tu veux, surtout. Ok, peut-être que je peux faire ça comme ça. Non, je peux pas. Ok. C'est jeté ou rien du tout. Ok. Okay.
peu importe, c'est bon. Où est-ce que je suis? Agarradlo! C'est loin. Ah. C'est correct, j'ai trop peur. J'ai mal joué. Ouf. Putain, comment j'ai mal joué. Forastero. Preparad la trampa.
putain! C'est plus beau. Ou plus haut. Je vois un escalier là-bas. Je peux pas aller là. À moins que j'essaie juste une dernière chose. Non, tu peux pas.
Aux oreilles. Excusez-moi, encore. J'ai besoin d'un diamant ici. Ah ouais. Ah, j'en avais une tantôt, j'aurais dû tirer dessus, j'ai pas voulu avoir su. Ok. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Une affaire bien conclue. Pas mal. Reviens quand tu veux, surtout. J'ai oublié des balles. Ah ouais. Ah.
Leur influence n'est plus ce qu'elle était. Détruisez les poupées mécaniques. Ne pardonnez rien aux aristocrates. Ah, j'en étais sûr. Niaisage. Oh, ça, c'était une boîte. Tabarnane. C'est bon. Pas
mal comme baraque. Les voisins doivent être jaloux. Enfin, cher de notre chair, sang de notre sang. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Des vieilles photos. Ok. Dû fermer sa meilleure récolte, un signe de vénération pour le maître des habitants, offrir le bien le plus précieux. Le vieux fermier sa meilleure récolte, le porc fluet son gros cochon et la vieille femme diminue son enfant bien aimé. Le maître.
Il y a quelque chose en bas. Chronique du village. Le ciel est étrange ces derniers temps, le blé se dessèche et les vaches maigrissent. Il y a des signes de famine, il est vrai que nous manquons de main-d'œuvre pour les travaux dans les champs, mais les ordres de Lord Sadler ne sauraient être mis en cause. 30 personnes sont mortes de faim, 5 vaches vont être abattues. Les patriarches se rassemblent pour tirer au sort. 6 de plus ont été choisis pour Lord Sadler. 8 de plus, 4 de plus, 11 de plus. Deux randonneurs égarés se sont aventurés dans le village. Nous les avons amenés à l'hôtel pour le rituel. Pas besoin d'effectuer un tirage au sort aujourd'hui. Adawan. Il y avait des balles là que j'ai pas pu ramasser, c'est bien. Peut-être que je pourrais les ramasser après. Alors c'était tout pour l'aventure du jeu. Resident Evil 4, chapitre 2, live. Sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!